Bonjour à tous, vous qui êtes à la Fighting for Ad-Free Cities Conference. C'est un grand plaisir d'abord de savoir que cet événement existe et qu'il se tienne à Bristol. À Grenoble, nous avons en 2014 arrêté le contrat publicitaire qui nous liait à une grande société. Et donc nous avons retiré la publicité de l'espace public grenoblois. Ça a été une première étape marquante qui a été suivie d'autres étapes, puisque maintenant nous réduisons massivement aussi la publicité dans les transports en commun sur la métropole grenobloise. Et nous avons aussi obtenu, au-delà de la ville, nous avons décidé tous ensemble dans la métropole grenobloise de limiter la publicité, privée ou publique, à 4 mètres carrés. Donc là aussi, une nouvelle avancée que nous venons d'obtenir au printemps et qui est un nouveau pas dans ces cités qui ne soient plus vues comme un grand stimulateur de nos pulsions consommatrices. Nous sommes tous appelés à vivre mieux. Voilà. Et ça appartient à plein d'imaginaires. Ça appartenait à l'imaginaire des grands-mères qui promènent leurs petits-enfants. Ça appartenait à l'imaginaire des anticapitalistes. Ça appartenait à l'imaginaire des environnementalistes qui voulaient des arbres. Ça appartenait à l'imaginaire des commerçants de proximité, parce que cette publicité n'est évidemment pas accessible à eux. Elle est pour des grandes chaînes. Donc ça appartenait à plein d'univers différents. Une décision qui finalement rassemble et redonne du sens à la décision politique.